L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA a procédé hier, vendredi, au lancement du projet intitulé « Tirer profit du dividende Jean pour accélérer la croissance économique en zone CEDEA ». Le projet, d'un coût d'environ 300 millions de francs CFA, a été financé par le Centre de recherche pour le développement international. Nadia Edja Aboubaka, Cheikh Kone. Ce projet d'un coût d'environ 300 millions de francs CFA porte essentiellement sur des travaux de recherche à réaliser sur une période de 30 mois. Il vise à analyser les conditions nécessaires pour maximiser la contribution des femmes ouest-africaines dans le développement économique de leurs différents États. Il y a une analyse qui se fera du point de vue macroéconomique. On va regarder, par exemple, au niveau des budgets des différents États, comment on prend en compte la question du genre. On va regarder dans les statistiques sociales qui sont produites à travers des enquêtes du type niveau de vie, comment est-ce que la question du genre contribue à la question de croissance économique. Le projet intitulé « Tirer profit du dividende genre pour accélérer la croissance économique en zone CEDEAO » bénéficie de l'appui financier du Canada à travers son Centre de recherche pour le développement international, CRDI. Le projet cible une des priorités du Canada, qui est l'égalité entre les sexes. Et nous avons une politique aide internationale féministe qui parle de l'importance d'intégrer les femmes et les filles dans toutes les actions que nous faisons pour la réduction de la pauvreté. Selon les rapports des organismes internationaux, la baisse du produit intérieur brut par habitant imputable aux inégalités du genre est d'environ 0,9% par an en Afrique subsaharienne. C'est donc à juste titre que la ministre du Plan et du Développement a apporté son soutien à cette initiative. L'intérêt de ces travaux de recherche vise à prendre en compte le dividende du genre dans l'élaboration des politiques publiques et trouver des voies et moyens pour lutter contre la réduction des inégalités socio-professionnelles, encourager la participation des femmes au marché du travail, vulgariser la budgétisation sensible au genre et la croissance économique. Les premières activités de ce projet s'étendront d'octobre à décembre 2018.